Âgés, jeunes et plus jeunes, d'où vous m'entendez
Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ne peuvent pas se tenir debout. Essayez de leur libérer de la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, Inch'Allah, une place dans le paradis. Il est au Seigneur nous dit. J'attends, Inch'Allah, que ça se stabilise. Essayez d'avancer, alhamdoulilah. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de frères qui sont à l'extérieur. Et surtout, il y en a qui sont âgés et qui vont rester voir vite. الأمر صعب أيها الإخوة نصف ساعة واقف أمر يصعب عليه شيء ما نوصي أبو إن شاء الله جزاكم الله كل خير أطلب من الإخوة ومن الأخوات والآباء والأمهات والشباب je demande à tous les frères et toutes les sœurs présents et présentes les parents et les enfants de se concentrer sur ce qu'on va dire et d'ouvrir le cœur pour recevoir ce message. ليفتح الإنسان قلبه ليسمع ما سنقول ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق. لابد أن تعلم أخي الكريم كل واحد منا لابد أن تعلم أنك ستموت وحدك هذا أول شيء وأنك ستقبر وحدك وستسأل في قبرك وحدك وستبعث وحدك وستمر على الصراط وحدك وستقف أمام ربك وحدك وتدخل الجنة بإذن الله وحدك أو تعذب في النار وحدك لا أحد يعذب مكانك J'aimerais bien attirer l'attention de chacun de notre frère et sœur aujourd'hui présent. Que chacun d'entre nous mourra tout seul et que tu seras tout seul dans ta tombe. Et au moment de la réponse aux questions de la tombe, tu seras tout seul. Et tu traverseras le sirat tout seul. Et tu te mettras devant Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Personne ne va être avec toi. Et personne ne t'aidera. La ahada yadfa'uk. Wa la ahada yudafiru 'anka. تتحمل مسؤوليتك لوحدك. Tu es responsable de toi-même. Personne ne prendra la responsabilité à ta place. La ahad. La ahad يقوم مكانك. ولا أحد يجيب مكانك. ولا أحد يدافع عنك. إذا لا نضيع الوقت أيها الإخوة الحياة ليست مبنية على العبث ولا على التهريج ولا على اللعب La vie n'est pas basée sur la rigolade sur les jeux sur la perte de temps الحياة أيام معدودة يجب أن تعلم كلنا يعلم هذا لكن للأسف ننسى la vie ce n'est que quelques jours qui sont bien comptés et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera l'appel tu ne pourras pas dire non الحياة مبنية على الجد فمن جد وجد كما علمونا ونحن صغار من جد وجد ومن زرع حصد ومن أراد العلا سهر الليالي هذا ما تعلمناه ce qu'on a appris quand on était petit celui qui sème le bien récoltera le bien tu ne sèmes que ce que tu récoltes tu ne récoltes que ce que tu sèmes pardon et celui qui veille lui celui qui travaille arrivera bi'idnillah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala لحظة تمر منك ولا تنفعك ستندم عليها يوم القيامة
لحظة ثانية une seconde un instant très très réduit un laps de temps très réduit tu le passes dans ou bien tu le perds dans cette vie ici-bas sans profiter de ce moment-là et bien tu regretteras devant Allah subhanahu wa ta'ala ثم يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت Et le jour où la personne dira, Ya Allah, remets-moi sur terre pour que je puisse faire une bonne action. Allah Azza wa Jalla yujib fi ayatin ukhra wa lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Nous t'avons laissé un temps. Nous t'avons laissé 40 ans, 50 ans, 70 ans pour que tu reviennes et pour que tu te réveilles de ton sommeil. Mais quand tu seras devant Allah, il va te dire c'est trop tard aujourd'hui. الحياه صعبه ليس فيها عبث تامل اذا في حياتك pense maintenant pense à ta vie pense à ton âge pense à ta jeunesse pense comment tu as passé ton temps pense comment essaye de vous asseoir avec Karim essaye de vous asseoir par la أن تتأمل في حياتك ماذا فعلت منذ كنت صغيرا إلى اليوم ما يفعل خير ما يفعل شر فيك entre des comptes qu'est-ce que tu as fait prends une feuille et note ce que tu as fait de bien ce que tu as fait de mal وخذ بقول نبيك صلى الله عليه وسلم حين قال واحرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك tiens à ce qui est profitable pour toi à ce qui est utile pour toi à ce qui va t'aider le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala ces choses là il faut y tenir et ne pas perdre de temps لأن الحياة قصيرة جدا إن كان التهريج ينفعك فهرج كما تشاء وإن كان العبث ينفعك فأعبد كما تشاء وإن كان تضييع الوقت ينفعك فضيع الوقت كما تشاء وإن كان اللعب ينفعك فالعب كما تريد Si la rigolade t'aide ou va t'aider ou vous dire va rigole quand tu veux Si les jeux vont t'aider joue quand tu veux Si la perte de temps t'aide perds ton temps quand tu veux Mais sache bien que auprès d'Allah Azza wa Jalla tu regretteras tout cela إذا كان سيضرك فابتعد عنه وإذا كان العمل سينفعك فبادر بفعله avant de faire une chose réfléchis est-ce que ça va m'aider ou ça va me détruire عامر بن عبد القيس كان في طريقه فلقيه رجل فقال أريد أن أكلمك هذا رجل من السلف الصالح عامر بن عبد القيس مارشي et puis il y a quelqu'un qui vient sur son chemin et lui dit est-ce que je peux te parler أريد أن أكلمك كلمة est-ce que je peux te dire un mot قال لا ولو نصف كلمة سبحان الله il lui dit non même pas un demi-mot ولو نصف كلمة قال توقف حتى أكلمك قال إذن أوقف الشمس يا الله رأيتم كيف كان يفكر هؤلاء الناس أوقف الشمس كي لا يمر الزمن فأنا ليس لي وقت أضيعه il me dit mais arrête toi au moins je te dis quelque chose il me dit tu veux que je m'arrête et bien arrête le soleil il ne faut pas que qu'il aille vers le coucher du soleil ou arrête la terre de tourner pour que le temps ne passe pas parce que moi je n'ai pas de temps à perdre Et ça, je veux dire à tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui. À ceux qui perdent leur temps dans les jeux. On a dit plusieurs fois, et je le répète aujourd'hui. À ceux qui perdent leur temps dans la rue, dans les rassemblements le soir,
dans des cafés, devant les jeux, devant leur téléphone. La vie est très courte et tu ne peux pas, tu n'as aucune garantie que tu vas arriver au bout. Aucune garantie. Aucune garantie que tu n'atteindras les 70 ans, les 60 ans, les 80, les 40, les 20, les 30, les 10. Aucune garantie. Allah, هو الوحيد الذي يعلم. أوقف الشمس. Arrête le soleil si tu veux que je te parle parce que moi je n'ai pas de temps à perdre. لا يريد أن يضيع وقتا. أوقف الزمن عن دوراني. وضيع وقتك إن كنت تريد أن تضيع أما أنا فليس لي وقت أضيع. Moi je n'ai pas de temps à perdre. C'est ce qu'il dit. N'a pas de temps à perdre. Tu as peu de temps. Va lire le Coran al-Karim. Apprends ta religion. Apprends la science qui va t'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Va aider tes parents. Va aider ta maman. Va aider ton père, il a besoin de toi. Va rendre visite à ta maman, elle a besoin de toi. Va rendre visite à ton père, il a besoin de toi. Va aider ta femme, elle a besoin de toi. Va aider ton mari, il a besoin de toi. Va aider ton frère et ta soeur, ils ont besoin de toi. Il ne t'est pas que je le prends. لا تضيع وقتك لأنك ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا في حديث آخر عندما سأله رجل قال أوصني يا رسول الله يعني علمني عملا أو علمني شيء وقل لي شيء أفعله فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كنت أنصوى دوس رطب avec le بذكر الله avec le rappel d'Allah سبحانه وتعالى لا تضيع وقتك عندك ثانية اذكر الله قل سبحان الله قل الحمد لله توكل على الله اقرأ القرآن احفظ القرآن تعلم دينك نحن في حاجة إلى أن نتعلم ديننا أولادنا ضاعوا nos enfants sont perdus et des enfants qui sont perdus ils ne savent même pas comment faire sa prière nous avons nos enfants qui ne savent même pas faire la prière qui ne savent même pas faire l'adhan qui ne savent même pas faire l'iqama des fois tu as envie de faire la prière tu demandes à un jeune de faire l'iqama et tu dis je ne sais pas. Des fois, tu lui dis, va refaire tes ablutions, il te dit, je ne sais pas faire mes ablutions. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas faire, je ne sais pas. Jusqu'à quand on va aller comme ça? Et en plus, on dit, on n'a pas de temps. On a le temps. Mais malheureusement, on le perd dans des choses inutiles. Quand il y a un raqatna, ma al-kufaza, ou tilfa, il y a un raqatna, ma al-hasoub, il y a un raqatna, ma al-hawatif, al-mudammira. Nos enfants sont détruits par le téléphone aujourd'hui. Nos frères et sœurs sont détruits par le téléphone aujourd'hui. Nos enfants sont détruits par l'internet aujourd'hui, par la mauvaise utilisation de ces moyens, comme on a dit les sermons derniers. Et je vous l'avais dit, des filles qui atteignent l'âge de la puberté ne savent même pas qu'il faut se laver après les règles. من سيعلمهم أين الأم أين دور الأم إليه le rôle de la mère إليه la maman absence إليه le père absence إليه le frère absence إليه tout le monde on est chacun nage dans son dans une rivière كل واحد في واد وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى لا تضيع أوقاتنا عندك وقت تعلم آية تنفعك T'as le temps, apprends un verset. Apprends qul huwallahu ahad. Parce que tu auras pour chaque lettre une bonne action. Bi kulli harfin hasana, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Kullu thaniya ij'al laka fiha hasana. Fais pour chaque seconde une bonne action. Hasana, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et je fais le sourire, je souris à mon frère, j'aide mon père, j'aide ma mère, j'aide mes frères et sœurs, je sois bon avec tout le monde. هذا هو المطلوب من المسلم أيها الإخوة أن يكون إنسان مثل لغيره وأن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذه الحسنة أو هذه الثانية التي يحتقرها الإنسان الثانية سكون que les gens ne prêtent même pas attention ça se peut que tu vas dire une bonne action où tu vas faire une bonne action, ça se peut que c'est cette bonne action qui va
alourdir le mizan yom al-qiyama et qui va faire que les hasanat vont être plus que les sayyi'at. قد تكون هذه الحسنة مرجحة مرجحة يعني ça peut être que cette bonne action que tu vas dire dans cette seconde là que tu as négligé qui va te sauver qui va te faire rentrer au paradis. فقد تكون مرجحة وفاصلة تحتاج إلى حسنة يوم القيامة حسنة نعم قد تحتاج حسنة le jour dernier tu vas avoir besoin d'une bonne action. Il se peut que tu as exactement les bonnes actions comme les mauvaises actions. Ou bien, les mauvaises actions sont prises et tu auras besoin d'une bonne action pour que ça soit équitable ou bien pour que la balance des bonnes actions prime. فتحتاج هذه الحسنة. أنت نعم أنت أنا وأنت وأنت تذهب عند أبيك تذهب عند أبيك يوم القيامة وتقول له يا أبي أي ابن كنت لك يا أبتا toi et toi et moi et toi tout le monde. Tu auras besoin de cette bonne action le jour dernier. Et tu vas voir ton père qui t'a mis au monde. Ou tu vas voir ta mère qui t'a mis au monde. Et tu lui dis à Abi, Ayyubni kuntulak, quel type d'enfant j'étais pour toi. Fayaqulu laka ya bunay kunta khayra ibnilli. Il te dit, tu as été vraiment le meilleur des enfants pour moi. La meilleure des personnes pour moi. Fataqulu lahu ya walidi. أنا في حاجة إلى حسنة منه فيقول لك أبدا أي والله يقول لك أبدا فإنني خائف مما أنت منه خائف انتبه والأب كذلك الأب كذلك يأتي إلى ولده ويقول له يا بني أي أب كنت لك فيقول له يا أبتا كنت لي خير أب فيقول يا أبتي إني في حاجة لحسنة منه فيقول له أبدا الولد يقول لأبي عفوا الولد يقول لوالدي أبدا يا أبدا فإنني خائف مما أنت منه خائف le père viendra devant Allah عز وجل avec son fils il dit à son fils quel type de parent père j'étais pour toi il dit mon père tu es le meilleur des papas. Et le père lui dit, mon fils, j'ai besoin aujourd'hui d'une bonne action, est-ce que tu peux me la donner? Et le fils lui dit, non, je ne te la donnerai pas parce que j'en ai besoin. ولا تنفعك أمك ولا ينفعك أبوك ولا تنفعك زوجتك ولا ينفعك زوجك لا أحد تدخل وحدك وتحاسب وحدك لماذا إذا نضيع أوقاتنا فكل يوم يمر عليك يقربك من خطوة إلى القبر chaque jour qui passe il t'approche de toi le problème on oublie ça كل يوم كيقربك من القبر انت تسير الى القبر on marche vers la tombe chaque jour passe et bien il nous approche de la mort et ça je veux dire à nos jeunes qui perdent leur temps pour ceux qui perdent leur temps pour ceux qui disent que moi j'ai pas de temps j'ai pas de temps à faire ça j'ai envie de jouer qui passent leur temps à rigoler qui passent leur temps à jouer et là j'ouvre une parenthèse qui perdent leur argent. Les jeunes aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui, c'est le jeune. Ils disent qu'ils veulent tellement gagner de l'argent rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler pour avoir cet argent. Ils vont aller jouer avec les... Je ne sais pas comment ils appellent ça, les paris sportifs. Ils ont de l'argent pour que cette équipe va gagner ou pour gagner. Écoute mon fils. هذا حرام في ديننا حرام tu sais ce que ça veut dire حرام ce n'est pas autorisé cet argent les 3 euros 4 euros 2 euros je ne sais pas combien ça coûte que tu donnes pour faire ce pari sportif tu peux la donner à un pauvre et tu lui donneras le sourire et il témoignera pour toi le jour dernier cette façon de vouloir gagner de l'argent sans aucun effort ça n'existe pas dans notre religion
Et le problème, ce n'est pas seulement chez les jeunes, parce que même les grands, il y a ce qu'ils appellent le grattage. Vous imaginez des frères qui sont partis au pèlerinage, des gens qui font la prière et qui sont assidus dans leur prière, qui font le grattage. Ils jouent. Et tu auras des comptes à rendre sur chaque euro que tu as perdu dans ça. Ne perds pas ton temps. Va travailler. Va étudier. Va étudier. Essaye d'avoir le diplôme qui va te permettre d'avoir ton argent halal. Ton argent licite, alhamdulillah. Et il est pas, il est grand. Ceux qui grattent, ou bien ceux qui jouent sur ce qu'on appelle les jeux de hasard, cet argent, elle ne t'appartient pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour que tu nourrisses tes enfants, pour que tu prennes en charge ta femme, pour que tu la dépenses dans le bien, parce que tu vas mourir et ton argent va rester pour tes héritiers. Eux, ils vont avoir l'argent et toi, tu auras des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala d'où tu as eu cet argent. C'est tout ce qu'il y a de même. C'est un mot. Ou t'as trop le dar, t'as trop le bait, t'as trop le sayara, t'as trop le kulma banit. تتركه للورثة يتمتعون به ويتنعمون به وأنت تسأل عن كل قرش وعن كل يورو صرفته في ذلك حلال أو حرام ستسأل عنه إذا لماذا أضيع الوقت pourquoi je perds mon temps dans des choses inutiles réfléchissons les choses qui sont profitables pour nous dans notre religion je les fais des choses qui nous détruisent j'aurai moi combien de divorces à cause de ces deux jeux d'hasard, combien de crimes à cause de ces jeux de hasard. La personne a tellement envie de gagner et il perd l'argent de sa famille. Il y en a qui ont vendu leur voiture, il y en a qui vendent leurs vêtements, il y en a qui vendent leurs meubles parce qu'il faut jouer, il y en a qui vendent qui laissent leurs enfants sans rien manger. Je suis en train de vous dire ça pour que vous transmettez à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui sont, à ceux qui sont, qui jouent ces jeux-là et qui pensent qu'un jour ils vont gagner. Même si tu gagnes cet argent, il n'est pas laissé pour toi. Et je vous dis à nos jeunes qui sont présents, cherchez l'argent licite, travaillez, Inch'Allah. Soyez bons avec vos parents, soyez bons dans vos études, soyez assidus dans votre prière et dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez bien que Allah Azza wa Jalla vous ouvrira toutes les portes du bien, Inch'Allah. Qu'on m'a dit, s'ma'oum, astaghfirullah, alayhi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khayr al-anbiya al-mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. أيها الإخوة المؤمن هكذا يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن كل يوم يقربه إلى القبر فلا بد أن يستغل كل ثانية ملوك فيوم يبقى انتليجون يفو savoir que chaque pas t'approche la tombe donc ne perdez pas une minute ne perdez pas une seconde que ce soit les grands et les petits ne perdons pas notre temps si tu as le temps va apprendre à quelqu'un il saura ou va rendre visite à un malade ou va rendre visite à tes parents pour les aider, ils ont besoin de toi et ne dis pas que j'ai le temps au lieu de rester jusqu'à minuit et l'heure du matin, je vois des jeunes qui restent dehors jusqu'à l'heure du matin groupés devant chez eux jusqu'à minuit, jusqu'à une heure, jusqu'à trois heures. Problème des fois on va à la fin le matin et tu rencontres des gens qui rentrent chez eux. Vraiment le sens contraire. Vous aurez des comptes à rendre sur ce temps-là. Quand vous allez grandir, vous allez regretter ce moment perdu. Le jour où vous allez rater vos études et vous n'aurez plus de possibilité d'avancer, vous allez dire, hélas, si j'avais travaillé, si j'avais écouté mes parents, si j'avais réfléchi. Aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte. Tu vis dans le nuage. Aujourd'hui, tu as envie de jouer, tu as envie de rigoler, tu as envie de perdre tes études, tu as envie de rater tes études. Tu ne prêtes même pas attention à tes études, tu ne prêtes même pas attention à ton apprentissage, tu ne prêtes même pas attention à ton avancement. Tu as le papa qui est à côté, tu as la maman qui est à côté, tu as la maman qui te prépare à manger, tu as le père qui travaille pour toi. Et tu ne te rends pas compte, tu avances aveuglement et tu joues, tu perds le temps.
mais le jour où ton père ne sera plus là, le jour où tu seras confronté à la société, tu vas regretter. Le jour où tu n'auras plus personne pour t'aider, le jour où tu seras rejeté et personne ne voudra de toi, le jour où tu ne pourras même pas confonder une famille, le jour où tu ne pourras même pas subvenir les besoins de ta famille, de tes enfants et de ta femme, ce jour-là tu vas dire « si j'avais travaillé ». Et tu vas dire « j'ai perdu le temps ». C'est pourquoi je le dis aujourd'hui à nos jeunes qui sont là, qui me voient maintenant, qui me regardent. Vous, Naam, vous les jeunes, vous les enfants qui êtes à l'école, vous qui êtes au collège, vous qui êtes au lycée, vous qui êtes à l'université, soyez bons, Inch'Allah, dans vos études, soyez bons dans votre prière, soyez bons dans votre relation avec Allah Azza wa Jalla, soyez bons dans vos relations avec vos parents, soyez bons dans vos relations avec vos enfants, avec, pardon, avec vos frères et sœurs, et vous allez réussir, vous allez voir, comme ça vous n'allez pas regretter le jour dernier. Vous n'allez pas regretter dans cette vie avant le jour dernier. Appuyez-vous sur Allah Azza wa Jalla et sachez bien que si votre relation avec Allah Subhanahu wa Ta'ala est bonne, Inch'Allah, toutes les portes vont s'ouvrir et ne perdez pas votre temps. Vous n'avez pas de temps à perdre. Tu rentres le soir, ben tu rentres chez toi, tu passes un moment avec tes parents, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie. Au lieu de rester dehors avec tes copains, les copains ne vont pas t'aider. Tu sais, le jour où tu vas rater tes études, le jour où tu n'auras pas tes études, le jour où tu ne pourras même pas trouver un travail, tu vas trouver un ami qui est avec toi à l'école, tu vas travailler chez lui, tu vas vraiment, il ne va même pas t'adresser la parole, il va t'ignorer parce que lui il a travaillé et toi tu as perdu le temps. Réveille-toi avant que ça soit tard. Kinaoté à la tiroir. Je voulais juste profiter de la présence de nos enfants, de nos jeunes, pour leur dire ceci. J'espère qu'ils comprennent ce message. Il y a des frères parmi vous qui vous demandent du dua. Il y a un frère qui a, sa femme est enceinte, elle a des jumeaux parce qu'il a la pauvre, et on lui a dit qu'on est obligé de retirer un. Elle s'appuie sur Allah Azza wa Jalla, puis sur vos dua, Inch'Allah. Allez. Et on a d'autres, إلى دينه رب الجميلة وأن يتوب علينا جميعا وأن يغفر ذنوبنا إنه سميع مجيب وأن يصلح أزواجنا وأن يهدي زوجاتنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وبناتنا وأن يصلح جميع المسلمين إنه سميع مجيب أي dernière information pour ceux qui veulent partir إن شاء الله والعمرة qui rencontre qui viennent voir les responsables إنشاءالله بارك الله فيكم جزاكم الله على كل خير ويغفر الله سبحانه وتعالى من قال آمين.